Bien, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve sur Farming Simulator 2017 pour l'épisode 1 sur la map. Je sais pas comment elle s'appelle. Je suis en compagnie de mon frère. Bonjour. Voilà. Bonjour. Voilà. C'est la map. Je sais pas quoi, mais elle est très très belle. Moi j'aime bien. Très étroite. Ouais. T'es d'accord ? Donc on va moi se battre un petit peu pour le premier épisode. Va falloir qu'on règle la coupe. La coupe? Ouais. On va lever la truc, le rabatteur. Voilà. Pourquoi tu me roules vite là? Voilà. Donc on va commencer la moisson. Va falloir qu'on aille chercher le tracteur parce que je devais commencer par une autre champ, mais bon, moi je préfère faire ça. Un autre champ. Vraiment, c'est une belle map. Hein. Regardez, moi j'aime bien. On va baisser un peu le rabatteur parce que ça fait pas trop. Voilà. Et puis j'aime bien la texture du. Ça c'est du col du de l'orge. J'aime bien. Regardez, c'est pas le truc de base. Ça fait mieux. Par contre, je moissonne comme un hellof. Oui, c'est vrai. Bon, moi j'espère que vous allez bien. Sinon, ça fait super longtemps que j'ai pas fait une vidéo que je parlais sur Farming Simulator 2017. Ouais. Bah, parce que j'ai pas fait. Si, j'ai fait du 2015, mais pas beaucoup. Ouais. Mais putain, mais c'est quoi ce bordel? Ah, d'accord. Oh, c'est que un jeu. Vraiment, on devrait rouler moins vite que ça. Dans la logique des choses. Oui, mais en fait, ça fait rien. Non, parce que, mais bon, ça fait moins rien. Ouais, c'est vrai, de toute façon, on peut rouler à 50, enfin, au maximum, pas quoi, donc ça fait rien. Bah, disons que si tu roules en vrai, avec une grosse vitesse, déjà, de 1, tu vas faire bourrer la machine, donc la machine, elle va. Ça peut tout péter la machine. Et de deux, bah, tu perds du grain à rouler de plus en plus vite, donc faut pas. Le maximum, c'est 6, mais enfin, et encore 6, ça fait déjà énorme. Ouais. Au début, je me tâtais à prendre une autre moissonneuse, mais je me suis dit, elle est bien, elle est petite, elle passe partout, elle. Ouais, en plus, c'est classe, ça va. Peut-être pas la barre de coupe. Oh là là là, ouais, c'était galère, non, mais c'est pas grave. Bon faudrait que je trouve une. Parce qu'il y en a en plus des chez classe comme ça de sur. Ouais. J'ai sur Amazon. Sur un site de mode, donc on peut la replier, tu sais, directement. Elle se replie, mais bon. Faut installer encore autre chose. Ouais, parce que là, c'est vrai que vous avez beaucoup de vidéos Fortnite. Là, je sais que ça sortira dimanche. Il y en aura, je pense, le dimanche et le mercredi. Peut-être, si ça tourne bien. Je pense vraiment faire beaucoup parce que j'adore. Là, je commence vraiment à adorer farming. Je sais pas pourquoi j'ai rien de farming alors qu'avant, ça me saoulait. Mais cette map, je la trouve belle. Alors. C'est grâce à Sterview que je la refais. Parce que bon, bah, j'ai vu son live et il a fait sur cette map-là et j'ai adoré cette map-là. Bon, bah, je fais une série dessus. Tu sais, tu peux parler aussi. Hein, oui. Bon, bah ça avance bien et on a quand même du rendement, ça va. Bon. Ça va ou quoi? J'aime pas si ça a été pulvérisé les champs. Je pense que non. Non, bah pas quand c'est de l'andin, parce qu'après faut faire la paille après. C'est pas toi qui va te la coltiner. Putain, c'est pas possible. Oh là là, t'en fais des conneries toi quand même. À des moments. J'arrête encore là. Ouais. Bah, je veux pas arrêter la vidéo quand même. Pourquoi une ellipse? Une éclipse? Solaire.
Ouais, c'est pour aller droit. Eh, hey, attends, mais c'est un truc. On entend la barre de coupe, les dents. En vrai, la façon que tu coupes là, avec la barre de coupe. Eh ben. Bah, en réalité, c'est comme si tu étais en train de prendre la pluie. Parce que justement, tu dois pas prendre directement tout un gros machin. Si, je peux tout prendre. Oui, non, mais. Quand tu tournes la pelouse. Non mais faut, ouais, mais quand tu le poses, ouais, ça dépend. Mais ça, faut tout prendre normalement, c'est pour aller droit là, comme ça, je suis bien droit. Ça fait mieux pour les andins après, à récupérer. Non, mais... Parce que t'es chelou. Ouais. Comme... Non, tu dis rien là, putain. Ça roule tout seul, t'as vu? Même pas besoin d'appuyer, t'as vu? Oui, c'est bien. Arrête de faire ça, toi. Ça s'appelle la copie. De quoi, la copie de quoi? Une tête, là. Oh, Nalbok, arrête. Bon, attends. Nardim Bobek. Donc la moisson elle avance bien, on va aller chercher la... Comment on appelle ça, la... La remorque. Ouais, on va aller chercher la remorque, hein, je pense. Mais c'est con, c'est que dans Farming, c'est que... J'ai ramené le mec dans le truc qui sort là avec la... l'odeur là, qui a je sais pas quoi là. C'est le truc à odeur qui sort, qui sont sortis. Sortez bien qu'il y ait l'odeur dedans, je sais pas si elle est, mais je crois... Je sais pas, je crois pas. Mais l'odeur avec la moisson, quand tu moissonnes, ça fait... Moi j'aime bien l'odeur. Ça sent bon. Hey, mais toi, t'es vraiment. Je suis vraiment quoi? Con. Ah, c'est vrai. Mais ça sent pas le chaud. Hein. C'est pas le chaud que tu sens. C'est l'odeur de la paille et l'odeur de la paille et de la fumée. Mais c'est la chaleur qui fait ça. Ouais, bah qui emporte la l'odeur, oui, mais. Violent. De quoi? Bah quand ça sent le chaud, c'est parce qu'il y a des vents très violents. Où ça? Bah quand tu moissonnes. Y a pas de vent quand tu moissonnes. Enfin je pense, ça dépend. Si aujourd'hui il y avait du vent chez nous, quand ils ont battu les commencé. Bon, bah si ils étaient, bah si parce que on fait la moisson. Là donc là chez nous ils étaient pas loin de chez nous. Enfin, moi je les voyais. Chez moi, ils moissonnaient le colza hier, aujourd'hui, puis c'est aujourd'hui, ils moissonnaient le blé. Après, c'est les févroles, mais les févroles, il n'y en a pas grand chez moi. C'est toutes les graines qui restent, enfin, c'est les autres graines, quoi. Hein? Ouais, j'aime bien prendre des vues comme ça, tu vois, c'est. Ah, il va rigoler toute la vidéo lui, avec ses conneries qui peut sortir. Eh, par contre, ça va vite à moi se battre. Ah, on va être plein. Top. Rien du tout. Par contre, t'as plus qu'à aller chercher le tracteur. C'est le même tracteur que quand je vous ai sorti la boisson de blé. Oh, le bruit du tracteur, j'aime bien là quand il monte dans les côtes. Tu fais du blé là? Non, là, je fais de l'orge. Non, mais tu fais du blé en ramassant de l'or. Oh, t'es obligé de faire des blagues comme ça. Celui-là, il est sorti, je crois que c'est. Je sais pas si c'est sur FS17 ou sur FS15, mais il est sorti à qu'on puisse passer les vitesses. On va faire réel, hein. Oui. Quand t'as arrêté, tu vas doucement quand tu rentres dans un champ. Non, t'es en mode. Ah, fais ça, tu peux faire basculer le tracteur. Mmh. Ceux dans Farming, ça bascule pas autant que dans la vraie vie. C'était quand? C'était pas dans un RP que t'as pu pas te casser la gueule là? Si, et puis y'avait l'autre, il avait rigolé comme y'a pas. Qui ça? Je sais plus, c'était dans un RP où y'avait de la neige. La neige? Ah oui, c'est vieux ça! Je
sais que tu sais pourquoi faut remplir toujours l'avant en premier? Non. Parce que sinon si tu remplis toujours l'arrière, ça peut ça, la benne elle va se lever. Elle va lever du cul puis après ça va lever le tracteur, ça va péter tout ça. Ça peut abîmer tout ce qui est là. L'orange c'est vraiment orange comme ça. Oui. Comme le blé. Le blé c'est jaune. On va laisser là toute la buse ouverte, ça s'appelle une buse. L'oiseau ? Une buse ! L'oiseau qui s'appelle la buse ? J'en sais rien moi. Merci. Une buse c'est comme un nom. Ou alors t'abuses aussi des conneries. C'était une blague ça. Ah non 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 pas tes blagues bizarres non non non. Non c'est pas fini. Elle dit qu'est-ce que tu fais? La mouette répond va manger une frite. Bah, du coup la deuxième a dit bah viens on fait mouette mouette. C'est drôle hein putain. Non. Je me marre. C'est ça une blague plus. Bah t'es le pour faire ça alors. Ouais, bah, moi mes abonnés aiment bien mes blagues pourries. Arrête de faire ça pour tel demi. Je te promets, ça passe sur YouTube et je vais mettre un titre putaclic comme ça. Tous les YouTubeurs farming vont voir ça. C'est quoi ce titre putaclic? Attendez, je vais regarder un truc, je sais pas combien de minutes on est. 11 minutes. Wow. Pour continuer un peu. De quoi? De quoi? Ah, ça me gratte. Quoi? C'est vraiment joli. Oui. Je te fous, oh lo 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 lo. On a gagné. Sans blague. Avec tous les accidents de voiture là qu'il va y avoir là tout de suite maintenant là pendant une demi-heure, avec les gens qui vont faire les fifous en voiture, qui vont klaxonner partout là, il y a plein d'accidents de concert. Ah c'est sûr, les pompiers sont prêts là. Je te le dis, ils sont prêts. Hein. À intervenir. Ils savent très bien que les gens qui vont être bourrés tout ce soir là qui vont repartir. Est-ce qu'il va avoir une intervention? Quoi? J'ai entendu quelque chose qui disait. Ah Léo? Ouais. J'ai entendu aussi. Ouais, dans le micro, je m'en fous. C'est mon père qui parle au chien. Je sais pas ce qu'il fait, il dit le chien en rentrée. Le chien au chien de rentrée. Le chien de rentrée. Je parle très bien français aussi. Moi. Eh. Ma Max the Kelb. Pourquoi tu rigoles? Oh putain. Je savais même pas que t'allais répondre. Mais je sais répondre hein. Bah oui, ça se voit. T'as appris ça à l'école, je suis sûr. Ouais. M'en douter. Fais attention, pas trop. Les abonnés, tu veux les exciter après. Bah c'est vrai. Ah d'accord, t'en fais deux, t'es comme ça. Ah, c'est pas la même culture. J'arrête de faire ça, putain. Oui, parce que... Hein. Eh, mais toi, quand tu viens dans mes vidéos, c'est... C'est pour faire des conneries. Voilà. Ça, c'était de l'orge, ça. Attendez. Alors, de l'orge. Orge. Ah, il y en a juste là-bas. On va aller là, j'espère que c'en est de l'orge comme ça. Pourquoi je vois les textures une heure après? Parce que tes graphismes c'est de la merde. Ouais, c'est ce que je me demande. Pourquoi j'ai les graphiques, ils ont du. Ils ont du. T'as tes graphismes sont bons, mais c'est. Carte graphique. Non, c'est pas la carte graphique, c'est le processeur. Processeur. Et la RAM. Non, pour farming, c'est pas la RAM, parce que farming demande 2 Go de RAM.
temps, quand on s'appelle Gabriel, comme dirait Julien, en même temps, quand on s'appelle Gabriel et qu'on a 8 ans. Ah bon, moi j'ai presque 8 ans. Lui, si moi j'ai 8 ans, lui il a 2. Oh. Hé, ma manette! 100. 100. Ouais. Merde! Merde! T'as vu, elle pue? Sans le chaud? Ça sent. Non, mais c'est vrai! Putain, on peut pas parler sérieusement avec toi. Tu veux pas prendre un ouvrier puis ensemble de Non, mais elle sent bizarre. Elle sent le micro-ondes ou je sais pas quoi. Mais non, elle sent tes mains. Ça sent mes mains, ça. Mes mains, elles sentent cette chaleur-là. Si ça sent comme le micro-ondes ou je sais pas quoi. La transpiration. Non, on sent pas la transpiration. La transpiration. Alors ça doit être du blé, ça. Du blé. Ouais, ça, c'est du blé, ça. Mais tu as bien travaillé. Oh là 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 là. Qu'est-ce que t'as rien chiant, toi? Ouais, dans les commentaires, au pire, mais mettez toutes les insultes que vous voulez, mais toutes les insultes qui vous passent par la... Voilà, piétinez-moi, comme TK quand il est monté sur la table et que ça a fait un obus. C'est pour ça, on s'étonne maintenant à cause de TK. On s'étonne que les villes, ils sont inondées, que les rivières, ils montent. Mais en même temps, quand TK, il va se baigner, ça fait quoi, d'après vous? Un tsunami. Voilà. On s'étonne qu'il y a de la fonte des glaces. En même temps, TK, s'il arrêtait de péter, ça... Ça aiderait. Bon bah c'est vrai, avec tout le gaz qu'il lâche, c'est même pire que toutes les voitures du monde. Il pète une seconde, ça fait comme si c'était un an de pollution. Chips. Oh non, arrête avec chips, hein. Au vinaigre. Ah ouais, j'ai peut-être fait une pub. Pourquoi? Voilà, bah de toute façon, on va s'arrêter là. On va finir. On va même pas finir le champ, je vais le finir en off. Non, c'est fini. Mais non, puis je vais refaire une vidéo juste après, je pense. Bah non, on fera comme ça. Je sais ce qu'on va faire. Donc, ça va être une nouvelle série, tu vas l'appeler comment? Bah. Comment ça fait ta toute première série Le fermier normand en Italie, ou je sais pas, comme ça. Non, ta toute première série, je crois. Le premier épisode. L'Osberg. L'Osberg, c'est quoi ça? La map. Ah oui, tu t'aimes bien l'Osberg. Voilà, donc on va finir ce passage là et après on va s'arrêter là. Ça fait 17 minutes quoi. 17 minutes. Ça fait 10 minutes. Voilà. La mosseuse va avoir assez chauffé pour aujourd'hui. Voilà, on va fermer la buse. On va fermer le noyau. Voilà. Bon, et ben sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était le fermier normand. Je vous dis à la prochaine. Allez, ciao tout le monde. Ciao.